Meghan Markle et le prince Harry ont été avertis que leurs deux jeunes enfants étaient des proies précieuses aux États-Unis malgré les efforts du couple pour garder Archie Harrison et Lilibet Diana hors de la scène après le Mexit. Le duc et la duchesse de Sussex ont pris la décision sensationnelle de quitter l'entreprise et de déménager aux États-Unis pour s'éloigner des projecteurs publics en 2020. Et le prince Harry a clairement indiqué que sa priorité était de protéger la vie privée de sa femme Meghan Markle et deux enfants Archie, 3 ans, et Lilibet, 1. Mais le couple a été averti que leurs enfants ne seraient pas protégés de l'éblouissement des lentilles, tant professionnelles qu'amatrices, dès qu'ils sortiraient de leur manoir californien. L'écrivain royal australien Daniela Elser a averti que le couple s'était laissé risquer d'être cassé par des paparazzi que s'il était au Royaume-Uni. Écrivant pour NZ Herald, Madame Elser a déclaré « Harry et Meghan ne bénéficient peut-être pas des niveaux de popularité de Beyoncé, le sondage le plus récent montre que moins de la moitié des Américains les voient favorablement, mais la fascination pour la nation très propre branche de la famille royale. Toute la famille est, en somme, une proie précieuse pour tous ceux qui pourraient croiser la famille à l'extérieur. Qu'est-ce que cela signifiera pour Archie et sa petite sœur Lilibet de grandir dans un pays où il existe un marché prêt pour les photos prises sur iPhone? La famille Sussex vit peut-être sur un domaine de 7 acres, mais à la minute où elle met le pied à l'extérieur de ses portes, elle n'est plus protégée de l'éblouissement des lentilles, qu'elle soit professionnelle ou amateur.